I shot the next film in France with high demands and more complicated locations. So for this, we had a second, further improved, even 1,200 watt HMI parallel beam of 4 degrees made. For this film, we had a total connected load of 5 kilowatt. 5,000 watt for the whole film. Attends, j'ai un maximum de couverts sur les bras, vous savez. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sentais pas dans tous les projecteurs, dans tous les sens. Et du coup, ça amenait cette chose d'intimité, on jouait dans la maison. Et après, évidemment que la lumière était très travaillée et très présente, mais on la sentait pas comme des gros projecteurs. Voilà, j'avais cette impression-là qu'il utilisait la lumière de là. Sauf que c'est pas vrai. Il a y amené plein de choses. Et c'est qu'à la toute fin, au restaurant, que j'ai commencé à comprendre où est-ce qu'il les mettait et comment il le faisait. Pas trop. C'est trop. Et puis alors elle goûte. Goûte. Comment ces lumières sont mises? Il y avait évidemment pas de je trébuche dans un pied. Je sentais bien que c'était la douceur et le respect de cette lumière pour les visages. Et après, c'était devenu un jeu pour moi. C'est-à-dire, je me demandais où ils les avaient placés. Enfin, bon, bien, parfois, elles sont plus évidentes, mais... Et on se sent éclairé comme ça par des choses très, très mystérieuses, très, très magiques, un peu comme un peu éclairé de l'intérieur, comme si le visage avait sa propre lumière. C'est que ça vient, effectivement, de cette technique particulière, de ce mode qui fait que la... Les sources de lumière sont déjà elles-mêmes des réflexions, un jeu presque de cache-cache avant les scènes pour voir où était donc placée la lumière. J'avais commencé le film par une scène de table, de repas, et il avait placé la lumière qui était pour moi entre le porte-couteau et fourchette. Donc je voyais cette petite chose, je me disais, mais c'est... On est prêt, ah bon, on est prêt. Puis je dis, et c'est comme une sorte de petite cuillère qu'il aurait oubliée sur la table. Et en fait, non, c'était déjà ça, la lumière. J'avais remarqué comment la lumière elle était faite, parce que ça m'intéresse, la préparation. Mais ce que j'ai vu, qui était étonnant pour moi, que la légèreté de cette lumière que nous avons eue, c'est la plus légère lumière que j'ai eue dans ma vie, hein, en faisant des films. Identif, moteur. Finesse, c'est une maîtrise des choses qui était évidente pour moi dès les premiers jours de tournage. Il n'y a pas des grands bruts, il n'y a pas des gros trucs, il n'y a pas des lumières qui gênent, il n'y a rien. C'est très soft, c'est très doux, et très beau. The next film was hidden by Michael Haneke. The film was shot in high definition, which brought a lot of troubles on the camera side and some new challenges for the lighting work. Again, I used only the reflect light system for the whole film, and again, I had enough with a total load from 6 kilowatt, except for the studio part. Here, for example, we could bring easily a sunny atmosphere into a hall on a grey, rainy Parisian day, by one 1200 HMI parallel beam luminary with a 4 reflector frame outside and another 1200 with a few effect reflectors inside. Due the reflect light system enables a very fine and precise designing of the appearance of lights and shadows. In other words,
the easy control and creative modulation of the more narrow contrast range. It was not at all complicated to handle the requirements of electronic image acquisition. Especially in the very dark scenes, I could achieve even further improved results than on film. First, because of the nearly noiseless images on the 35 theater copy, and then, thanks to the special quality of the reflect light system in producing a very soft but nevertheless remarkable modulated light distribution.